la firme patio. Salpágate, cosito y En sa qualité de garant de la nation et commandant suprême des forces armées, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce vendredi les responsables des services de sécurité afin de leur donner des directives claires pour l'encadrement de la population en cette période de couvre-feu. Le vice-premier ministre chargé de l'intérieur et de la sécurité, Gilbert Kankondé, a fait la restitution des instructions reçues du président de la République. La raison était de donner des consignes de manière précise pour encadrer cette période tout à fait particulière qui, sur le plan sanitaire, présente des menaces de regain de la pandémie de COVID-19. Comme vous l'apprenez à travers le monde, cette deuxième vague est plus agressive que la première. Et c'est ainsi que les autorités du pays ont été amenées à décréter un couvre-feu qui revêt un caractère plus pédagogique que répressif. C'est tout simplement pour attirer l'attention de notre population. Communiqué nécrologique, c'est vous vous apercevrez pas de plus le décès dû à cette pandémie continue d'augmenter de jour en jour. Et il a demandé aux de l'armée, de la police, tous ceux qui sont chargés d'éveiller à faire respecter ces mesures de police, à avoir une attitude ferme, certes, pour faire respecter toutes les mesures barrières qui ont déjà été décrétées et que nos médias ne cessent de répéter de sorte à ce que ce soit dans nos habitudes de chaque jour, mais d'afficher un comportement de courtoisie. La police n'est pas là simplement pour être répressive. Elle a un rôle aussi pédagogique. Ce que nous devons éviter, c'est quoi? Ce sont les attroupements, les rassemblements. Ce que nous devons respecter, c'est quoi? C'est le port de masques, c'est la distanciation sociale. Et la police devra veiller à ce que les rassemblements, les mesures barrières de port de masques, de distanciation sociale soient respectées. C'est ce qui nous met à l'abri de la contagion de la pandémie. Pour le reste, comme je l'ai dit encore une fois, la police devra se montrer plus pédagogique, prodiguer des conseils et ramener la population à des comportements de responsabilité. Est-ce qu'au niveau du Conseil de sécurité, cela a été évoqué? On a l'impression que 21h, c'est un peu plus tôt à cause des embouteillages sur les routes. Oui, tout cela a été examiné. Mais vous savez que l'on dit que la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Et pour protéger la population, nous ne sommes pas les premiers. Nous ne sommes pas les premiers, que ce soit sur notre continent ici. Si vous prenez l'exemple de notre voisin, la République du Congo ici, le couvre-feu est d'application depuis déjà plusieurs mois. Et nous devons comprendre que cette mesure est prise pour notre bien. La santé n'ayant pas de prix, les Kinois devraient s'adapter à ces confinements nocturnaux. C'est le prix à payer pour préserver sa vie et celle des autres. La COVID-19 est encore parmi nous. Et l'appellation d'une station flottante destinée à la distribution de produits pétroliers, des carburants sur le fleuve Congo. Les bénéficiaires sont des unités flottantes qui sont baleinières, barges, bateaux, pousseurs, pour ne citer que ceux-là. Ce projet est l'initiative de l'entreprise Eliast, dont les activités viennent d'être lancées par le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikindo Mohima, accompagné de la ministre de l'Économie nationale, Acacia Bandoubola, et du vice-ministre des Hydrocarbures, Moussa Mondo. Nous souhaitons que le produit d'Elias va utiliser, que ce soit des produits de bonne qualité. En deuxième lieu, que Elias nous facilite à mettre fin à la fraude et à la contrebande. Elias puisse mettre à la disposition un volume fiable
non seulement fiable, mais que nous serons en mesure de pouvoir contrôler. Il y a plusieurs avantages qui sont liés à ce projet, dont particulièrement celui d'appuyer les efforts du patron des hydrocarbures en RDC, déjà engagé dans la lutte contre la fraude et la contrebande des produits pétroliers afin d'assainir les secteurs de l'aval pétrolier. Cette station va mettre à la disposition des opérateurs évoluant sur le fleuve Congo le produit de bonne qualité, répondant aux spécifications de la RDC pour un meilleur rendement dans leurs activités et l'augmentation substantielle des recettes fiscales et parafiscales pétrolières. La distribution se fera dans le strict respect des sécurités des normes environnementales en évitant toute forme de pollution du fleuve par les produits. Ce grand rendez-vous du donner et du recevoir a permis à l'Université protestante au Congo et l'Université catholique du Congo de resserrer les liens afin de donner des bons fruits, des fruits qui demeurent pour une meilleure destinée de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire s'est dit convaincu que les connaissances acquises lors de ce colloque vont contribuer à la construction de notre beau et grand pays. L'université a deux missions, transmettre des connaissances. Il faut profiter pendant que les étudiants sont à l'étude pour, en plus des connaissances, les transmettre des valeurs. Pour le conseiller du chef de l'État en matière de l'éducation, cette conférence aura été un moment de réflexion pour prendre conscience des enjeux et des défis à relever. Il faut cependant porter l'action à l'intérieur de l'État et du monde. Sur tout notre pays, le monde est écrit. L'archevêque de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo Bessungu, a indiqué que l'université est le lieu par excellence des fécondités rationnelles et des croissances spirituelles. 60 ans après, la République démocratique du Congo a besoin de progrès, d'une nouvelle vision. Elle a besoin de refonder son existence sur les valeurs spirituelles et éthiques et d'accueillir véritablement la foi. Les deux universités ont formulé de recommandations, entre autres, créer une cellule de recherche, éviter la vente anarchique des syllabus et des travaux pratiques, rendre public les travaux préparatoires de la Constitution du 18 février 2006, augmenter la part du budget national allouée à l'éducation et veiller à son exécution efficace et efficiente. Bon, ici Semga, Tindika, Félix Monsengo, 100% mon obélé, pour changer la stratégie. Vision bilanga matembele. Ma groupe électrogène, yango, on a pris assez. Pour faciliter la diaspora souffrit trop. Diaspora souffrit trop. Si Semga, nous sommes des groupes là, yo. On comprend, nous sommes des groupes là, yo, bah, livrer la Congo. Il y a un donc si tu as dit que tu as dit que tu as dit que partenaire Air France. Tu as changé le système, Mikolo, tu as dit que tu as dit kilo tu combien 13-0 le kilo. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que 13-0. Tu as dit que tu as trop, mais tu as dit que 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 Nevant sur la mariage, par contre, la colline de Lénine, 13 euros le kilo. Tout ça, le groupe électrogène à Moïse, il y a un peu de monsieur et ça, on a mon bon dos, ça qui.
Okay.